3m가 나온. 예, 난가 만지지. 나 먼저 좀 먼저 왔잖아.
ここもらえてる。C'est un bon lieu, mais c'est trop trop tard. Ouais, on précède le corps. Le corps vient après. On précède le corps. On précède le corps.
Très ravi de vous savoir nombreux en train de suivre cette grande émission La Véracité dans Super Promo 243, la chaîne de l'expression culturelle. Mes chers amis, hier, on était, c'était les obsèques, les dernières obsèques, soit les obsèques funérailles de notre cher disparu Riva Kalimasi, autrement dit Mongali, de Konabiso Oyo Asala. Azaki, acteur principal, il y a Papa Ofu, Papa Wemba, dans le film. La vie est belle, tu es bien, et tout côté qu'il y a cela plus de 2 semaines déjà. Et aujourd'hui, c'est la levée du corps en direct du cathédrale de Notre-Dame à Lingual, à Kinshasa. Corps Ezalaki, il y a 51 ans, peut-être 51 heures, et bien directement, le monde va image, en exclusivité vraiment. Awa na cathédrale Notre-Dame de Kinshasa, Corizala qui na cinquantenaire maintenant Awa Toye, Abbé Koko Azo célèbre messe, une mémorial de notre cher disparu Riva Kalimasi dit Mongali. Mes chers amis, moi, Hero Habib, le vôtre, le Golden Boy, et Super Promo et ma grande équipe de Super Promo 243 accompagnée du caméraman le plus beau, Mika Bajine, famille présidentielle, toujours Pesabino, toujours Laksabino, en exclusivité, bah, image. Donc, comment est-ce que les obsèques, les dernières obsèques se déroulent
Oyo, on hommage toujours la Nikonabiso, Wautikotikabiso, Riva Kalimasi, dit Mongali. Mes chers amis, ne soyez pas distraits, ne soyez pas déconnectés, soyez toujours branchés, soyez toujours connectés, soyez toujours cimentés de la véracité sur le pont 243. Vous ne serez jamais déçus. Merci, on continue.
Devant toi.
Signalez à nous sur la site. Après la famille Keïta, c'est les enfants
Dans le film
professionnelle et notre duo restera pour moi une expérience mémorable. Tes qualités exceptionnelles, ta gaieté et ton altruisme, le geste de ta compagnie était parfait. Monsieur Jo, votre présence ici, vous n'avez pas laissé. Je tiens à remercier Monsieur Delagué, la célébrité de Messe, qui est encore douloureux, mais chaleureux. Je tiens aussi à remercier ses amis artistes, ses amis avec qui ils ont grandi et les officiels qui ont laissé leurs activités ce jour pour venir nous assister. Ce fait, la famille tient à vous remercier et à vous dire merci pour tout ce que vous avez fait. Après la messe, ça va acheminer le corps de notre grand frère. Donc, notre papa, il va à la métropole. Après la métropole, il y a le même proposition qui sera à cette ville, à Madrid. Je n'ai pas de mots assez forts pour décrire la personne que tu es. Mais si je dois m'appliquer à mettre des mots sur notre douleur, je dirais que le plus grand héritage que vous allez vivre est la foi. À travers moi, le verset biblique, aimons-nous les uns les autres en tout son sens. Tu aimais réellement les gens, sans faire de distinction commune, des plus grandes autorités de ce monde aux petits chefs et de la rue. Tu avais toujours un mot gentil et un sourire pour chacun. Tu étais un vrai humaniste. Et quand on aime vraiment, on reçoit de l'amour en retour. Les gens défilaient tous les jours pour nous te rendre visite à Batouké. Tu étais riche papa. Riche par ta personnalité, riche par ton bon cœur, et cela n'a pas de prix. Si je devais choisir un mot pour me qualifier, ce serait liberté. Tu étais un homme profondément libre. Libre par ta personnalité. Tu étais le genre de personne qui n'aimait pas quand tu imposes des choses. Il tenait toujours à avoir son libre arbitre en toutes circonstances. Cela t'a poussé à être libre professionnellement. Très jeune, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et tu as ouvert la voie de communication RG avec ton associé et ami Georges Abrantes-Galula. Le peuple congolais et africain t'a découvert à travers le rôle de Mongali que tu as joué avec brio et élégance dans le célèbre film La vie est belle qui fait désormais partie de notre patrimoine national. Grâce à ta voie de communication RG, tu as réalisé des œuvres publicitaires incroyables qui ont marqué notre pays, telles que Pélissa Poissonma, Sekérinus Sekéré Amosada, aussi pour le compte de la Panama. Avec nos artistes, grâce à la chanson franco-congolaise, tu as réussi habilement à rassembler tous les artistes congolais de l'époque. Tes slogans, tels que Sokombo, Foulangégué, Matongé ne tombera jamais en collaboration avec Papa Oba, nous font encore chavirer des joies aujourd'hui. Enfin, politiquement, tu as réalisé la campagne 2011 pour notre feu sphinx Papa Étienne Tshisekedi, avec le célèbre slogan Le peuple d'abord, qui résonne encore si fort dans le cœur du peuple congolais. Comme l'on dit, l'artiste meurt, ses œuvres vivent pour l'éternité. Tu étais également libre financièrement. Tu me disais toujours, Roméo, je ne suis pas venu dans ce monde pour être millionnaire. Quand j'ai un peu d'argent, c'est pour le partager avec les autres. Tu avais toujours le souci des autres, avant même ta propre personne, voire même ta propre famille biologique. Papa, tu étais réellement une personne rare et spéciale. En tant que fils, je garde toi le souvenir d'un père formidable. Tu avais toujours le temps pour me conseiller. Tu ne m'as jamais jugé, même quand je commettais des erreurs, et tu me disais toujours, fils, garde ton état d'esprit positif, ça ira mieux demain. Notre slogan à tous les deux était courage et confiance. Cette année 2022, je vais devenir papa pour la première fois. Tu n'auras pas l'occasion de voir mon petit-fils, mais je sais que tu vivras un peu parmi nous à travers lui. Ta famille et tes amis te pleurent. Matongé te pleure, Kinshasa te pleure, le peuple congolais aussi te pleure. Je t'aime papa, adieu Rivadé de Pico, papa Napoléon.
côté, Lingusa. À mon ok. Thank you.
Voilà mes chers amis, c'est toujours difficile de perdre un être cher comme Riva Kalimasi ou Tikabisu Bomoni vraiment. Comment est-ce que l'obsèque Nayasuka s'est déroulé avec Coco Yemutu à conduire Metz. Ça fait mal Tomoni présence il y a Jeje Sarnyoka Longo Tomoni que papa Riva à Tikaki Bana vraiment yamiké et ça lui passe et ça lui vraiment passe mini pour perdre Mutumune Neboyenamboka Oyo. 6 ans après disparition, papa Wemba Lelo. Ton petit frère parce que ça n'a rien à mort mène à Jazali petit frère n'a parce que toi ou tu côté Kabiso Azali petit frère il y a maître il y a colonel Jagger donc ami proche il y a papa Wimba quoi donc c'est un peu ça disons juste merci Nanzame parce que Yenne le maître des temps et des circonstances Yenne nous a permettre Makam Oyo et Zalabé Yemoebi le pourquoi et pour Nanini et Zabongo donc. Quant à moi, je vous dis déjà merci à vous tous. On est pour la nuit émission Oyo du début à la fin. N'est pour la nuit n'engue to l'excès qui vient depuis le premier jour. Il y a Liwa, il arrive à Kalimasi et puis Tilelo hommage na Yasuka Azokende Tozokende Kokundae na métropole entre terre et ciel. Vu famille na yepe biologique. Il y a un monde de cortège déjà en Wanikei. Donc, quant à moi, vous avez aimé cette émission, dites toujours. Hein. Merci à Mika Badjine, le caméraman le plus beau. Quant à moi, je vous tiens déjà en congé. Tout le monde est là. Merci.